Bonjour les Nakama et bienvenue sur Canou Télé pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur une de mes étagères préférées, j'ai nommé la collaboration One Piece Dragon Ball pour les 40 ans de la Wiki Jump. Rien que ça les copains. Alors ça se trouve là ici derrière et nous allons découvrir ça tout de suite. Avant cela, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, pour vos petits pouces et pour mes nouveaux abonnés, mes nouveaux Nakama. Merci, merci. Et j'espère que vous serez nombreux à rejoindre l'équipage Canute. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, à tout de suite. C'est parti les Nakama. Donc je me dépêche pour aller dans ce coin-ci. Donc nous allons commencer sur une fusion de Luffy et de Goku. Donc ça, c'était des petits gachapons Bandai. Vous allez voir la différence de qualité, effectivement, c'est quand on passe chez du Mega House. Il nous avait sorti donc des capsules. Donc là où vous avez donc Gohan qui, s'il te plaît, Zoro, ne me fais pas peur. Nani. Ici, Kame et Céline qui est toujours en très bonne compagnie. Derrière, une autre série Bandai. Donc là où vous avez Hercule et Ace avec un petit seau pour éteindre le feu. Un Vegeta-kun version Zoro. Et un Vegeta avec Franky Aniki. Ici, un petit porte-clés pour bien célébrer. Donc les 40 ans de la Wiki Jump. Donc là, toujours dans la même série. Donc nous avons Boubou et Sanji, qui est content car je pense qu'il a trouvé un bon client. Boubou content. Derrière, nous allons avoir Chiron sur le Sunny. Un Chopper version Freezer avec le petit vaisseau. Ici, tiens, tiens. À qui appartient ce merveilleux body? À Nami-san. Nami-san. Donc, très très bien réalisé. Moi, dès que je l'avais vu, j'avais fondu. J'ai dit, celle-là, il me la faut. Donc là, nous allons avoir, je suis désolée, il fait très très chaud et le téléphone glisse des doigts. Nous allons avoir Trunks avec Brook. On va retrouver donc les deux personnages principaux de Goku et de Luffy. Prêts à nous attaquer hein, quand même. Hein. Ça doit faire peur. Là, je vous mets donc bien devant une de mes figurines préférées, donc de Goku et de Luffy. Même si je trouve que Goku est mieux réalisé que Luffy. Alors après, est-ce que c'est mon impression ou est-ce que vous pensez la même chose? Eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Mais même de derrière, je trouve ça. Je trouve que c'est une belle image. Ici, là derrière, donc nous allons retrouver un petit Luffy, Kamehameha, et un autre Goku avec juste le manteau du seigneur des pirates. Chopper cette fois-ci en Gohan. Donc moi je les trouve trop choux ces petits choppers-là. Ça. Hop. Alors après ici on retrouve une Nami toujours avec Tortue Géniale. Ici vous voyez vous pouvez voir un petit peu les. La présentation. Une Bulma sur le Merry, sans oublier le Berry. Ici, on va retrouver Coraline avec Robin. Et Robin, si je me souviens bien, son petit. Voilà, l'accessoire, c'était son petit chapeau. Après, ici, là, les guerriers intergalactiques et Soga King. Un Chopper sur le nuage magique. Un Zoro sur le dragon. Tiens, tiens, mais à qui appartiennent ces pieds? Je vais même vous montrer, du coup, voilà, à qui appartient ça? Bonne question. Donc, nous revenons sur du Megahouse.
avec ici donc Bulma qui se fait tranquillement servir par ce cher chevalier Sanji. Madame, mademoiselle. Ici, une que je trouve très rigolote, où c'est Piccolo qui signe un autographe à Choppy. Là, le Gohan, je l'ai mis ensemble car il est sorti en même temps hein, que l'anniversaire. Et c'était un série Coca-Cola. Alors, donc il fallait regrouper toutes les Megaous ici afin de pouvoir collecter cette merveilleuse figurine. Sogeki na shima de Ouh, la la la. Franchement, j'espère que vous verrez bien. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait la vidéo en 1080p afin de bien voir les détails de cette très belle figurine. Et donc, revenons ici à ces gros pétos. À qui ça appartient? On dirait Luffy. Oh, ça ressemble à du Luffy, hein. Et non, Goku. Donc pour moi, bah écoutez, c'est ma figurine préférée de l'étagère. C'est vraiment Luffy. Enfin, c'est Goku en mode Luffy. Ouh, je trouve qu'elle tue. Elle tue vraiment. Donc là, il y en avait quatre. Il y avait le Goku et la Nami. Et après, il existait Bulma et Luffy. Mais bon, fallait faire des choix à l'époque. Et j'ai préféré donc Goku et Nami. Donc voilà, les Nakama, écoutez, cette petite étagère est déjà finie. Ben non, elle n'est pas finie. Il nous reste ici donc cette petite pluche de Sheron, pareil pour célébrer donc les 40 ans. Et également, vu que vous avez été sage et que ça va être les vacances, si je m'en vais par là, hop. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh! Et bien en fait, c'est une bouteille isotherme. Donc là, en même temps, vous voyez, on fait du unboxing. Et donc, nous allons retrouver pour moi cette merveilleuse petite thermos. Mais en fait, j'ai pas envie de l'utiliser, je ne veux pas. J'ai trop peur de l'abîmer en fait. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. C'est dommage, hein, mais j'ai trop peur de l'abîmer. Donc voilà les Nakama. Bah écoutez, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de vous abonner, de rejoindre l'équipage Kanout afin de ne rater aucune vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour les partages, pour les petits pouces, c'est gratuit. Et puis je vous dis à très bientôt, normalement dans 15 jours. Je vous embrasse, bonnes vacances à tous et j'espère que vous aurez vraiment aimé cette petite collection. À très très bientôt, je vous embrasse, bisous !